Voilà, donc commençons. Voilà, on va lire le. Merci à vous. Je suppose que là, elle est bien. On va lire le roman. Voilà. Bon, on est parti pour lire ce roman dont on a envie de le diffuser dans le monde entier. Couleur de peau, blanc et noir. Un prince grandit de ses âges, 17 ans de vécu sur sa venue sur Terre. Le 15 mars 2015, un cadeau aux 17 lumières s'allume pour fêter cette lumière qui ne s'est jamais éteinte en lui. Nous partageâmes nos rêves dans une mer de vacances juillet 2015. Une auberge de jeunesse s'ouvre à nous, Blankenberg. Nous séjournâmes pour une durée de 10 jours. Le prince réalisa son rêve de paracommando junior belge dans un œuf de Pâques. Il prenait l'envol d'une marche dans un rideau de sable fin de mer. Ses pieds s'approchèrent d'une eau de mer. Ses pieds se transformèrent dans un poisson de mer. Il traversa la mer à la recherche du navire destructeur de l'environnement de la mer pour imposer sa force militaire protecteur de l'environnement des mers qui s'ouvre tant de l'inconscience de l'être humain dans un pouvoir de sang. Notre transformation de poisson protecteur nous menâmes sur le bord de mer. Nous se réjouissîmes le ciel de notre règle royale pour une destination lointaine des peuples qui souffrent tant de la malgérance de ces dictateurs du sang. Nous atterrissâmes dans le cœur de ces dictateurs dans un parfum d'odeur de rose. Le changement de ce parfum de rose les faisa changer d'humeur, d'une rose qui transforma les peuples à s'aimer sans violence pour son semblable. L'amour se transforma dans le monde entier d'un parfum de rose qui comblera toute la misère des larmes de sang. Nous continuerons à partager ce cadeau de la terre dans l'amour d'une consommation sans faire de différence d'une bourgeoisie des arbres abattus de votre vivant. Vous saurez qu'il est temps de vous aimer, de votre nature qui vous aime d'une bonne air matinale. Aigle royal, protecteur de notre belle nature love. Un jour agréable d'une rencontre du 7 du 3 2015. Une créatrice d'un seul amour, de la création d'un roi de Vénus, revenant dans son royaume, accompagnée d'une princesse de couleur exotique. Nous nous réjouissâmes de leur retrouvaille, roi et prince. Mon roi de mes amours prépara un dîner aux herbes de notre si grande forêt Congo, accompagné d'un poulet à la congolaise arrosé d'une huile de palme. Le roi comprenait que ce n'étaient pas les mêmes écrits que le prophète Jésus, buvez mon sang. Vous serez ivre de mon amour, de vin rouge de table, mais non. Il dira à ma créatrice de mes amours, la forêt de mon riche pays qui vous fait respirer à tout ce te hantera de ton amour dans une huile de palme versée sur ton corps de rêve. À la hauteur d'un arbre de papier.
Une petite voix charmante d'une princesse de couleur caramel me dit: Mon roi, je ne vois plus mon papa depuis 6 mois. Je lui réponds: Si tu ouvres ton cœur pour le roi de Vénus, je t'accepterai comme une princesse dans mes amours de roi de Vénus. Je lui demanda d'une voix douce: As-tu déjà été à l'Océane? Une piscine pour sirène? Non, me répondit-elle. Je lui dis de fermer ses yeux pour la faire apparaître d'un bon mois de Pâques, pour fêter ses 11 ans de vécu sur Terre. Notre retour du nage de sirène nous mena dans l'amour d'un partage de 11 lumières allumées sur un gâteau aux fraises de nos amours, Love Paradis, terre à terre. Pensée du roi lion. Je suis le roi de mon territoire, de mes amours. Un lionçon naît, le roi de son amour disparaît de ses 3 ans d'âge de création. Il s'aperçoit de ses yeux d'aigle royal, des barreaux de la grisaille de l'enfer, un pigeon voyageur sur le rebord de sa fenêtre. Il comprend de son instinct d'aigle chasseur un message à transmettre au prince de ses amours. Le royaume de Belgique, pour conquérir les territoires européens, culture germanique, nous vient de l'Allemagne, Angleterre, Hollande. La partie wallonne a été occupée par les guerriers romains, l'indépendance du royaume des Belges. 4 octobre 1830, 1831, indépendance officielle. 1939, indépendance garantie grâce à la ratification par les Pays-Bas. 18 juin 1800, fin de la bataille de Waterloo. Napoléon et son armée romaine furent surpris par une magie du ciel. Une grosse pluie les arrose de leurs armes, d'une poudre d'étude des moines catholiques. Les Anglais, Russes, Allemands, des vrais Gaulois, de guerre, d'un pacte, d'un lion qui marqua le pas sur un canon d'un partage de territoire Wallon-Flandre. Les Wallons dominaient sur la langue française, imposaient aux Flamands. Ceux qui voulaient rentrer à l'université devaient parler français. Les Wallons les ont toujours pris pour des gros paysans. Bruxelles est au centre de l'Europe. La stratégie d'une communauté européenne installée dans notre si belle capitale nous vient du roi Léopold II, roi de la terreur sanguinaire. Le roi Léopold II, un explorateur, Stanley, roi du repérage de la torture humaine, il envoya des missionnaires aux robes noires déguisées d'une âme diabolique pour endormir le peuple riche d'histoire congolove. Venez à moi, Jésus-Christ, aux yeux bleus, roi des pauvres dans le monde, pour mieux vous contrôler du vol de vos richesses qui dort dans vos pieds de terre riche. Le roi Léopold II détermina depuis son trône de Belgique tuer tous ceux qui n'écoutent pas les ordres de travailler la matière première, caoutchouc, cuivre, or, diamant, minerai, bois, pétrole, etc. Le port d'Anvers était le plus grand port de la traversée du cuivre et tout le reste des mains coupées pour le plaisir d'un roi d'un royaume hanté par l'histoire. Je partage l'amour des forêts du monde. Les Gaulois romains se disputaient le gibier, chevreuil, les loups, lapins, renards, forêts de soigne, Bruxelles.
je ne représente pas dans votre forêt, je ne me représente pas dans votre forêt de soigne, Bruxelles. Je suis né sur cette terre hantée de démence, Bruxelles, Waterman, Boisfort. Mon envol dans le ciel pour une terre riche d'histoire, 4 ans. Je disparais dans une arrivée de l'amour du deuxième poumon au monde qui nous tient éveillés, forêt de la savane animalier pensant pour communiquer avec tous les animaux de la savane. Une copie conforme à l'américaine, Tarzan, aux cheveux de spaghetti, aux yeux bleu ciel, nous voilà envahis par des histoires du cinéma américain. Mais non, le vrai Tarzan, c'était moi, dans ma jungle naturelle, Congo Love. Les catholiques ont tous une âme de guerrier diabolique pour déraciner toute culture de la pensée des êtres sages d'esprit, de croyance, de la nature, esprit de la forêt, pluie, étoile, de feu, montagne, rivière, mer, des croisades. Morale de l'histoire. L'histoire appartient à l'histoire. Le savoir est une âme, est une arme de connaissance. Apprenez à aimer vos semblables d'une seule couleur. La couleur du cœur, le partage ne dépend pas d'une idéologie de croyance à un dieu. Le dieu que vous réclamez dans vos malheurs, on l'appelle amour.